Depuis le départ, on est Chris en sac. Bah, content, forcément. Donc, je suis Mathieu Montélimar, je suis responsable d'exploitation chez Rubix Air Comprimé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bonne ambiance, bon, bien sûr, il y a tous les concurrents qui sont en place, mais ça reste quand même un bon enfant. Bah, je vois pas pourquoi ça pourrait être négatif. Toujours est-il positif, je pense, oui. Il y a des produits qu'on n'a pas l'habitude de travailler. Je pense à l'oil free, je pense à des choses comme ça. Et ça nous met un peu la main dedans et c'est sympa. Ce serait rapport qualité-prix. Ça fait 3 mois. Et clairement, je suis dans le domaine de l'air comprimé depuis 10 ans. Et ça fait 2 ans que je vends du Cress en sac. Et je trouve clairement que c'est un très bon rapport qualité-prix aujourd'hui qui s'implante très bien sur mon secteur. Quand ça fait 60 ans qu'on vend du Cress en sac, naturellement, c'est le gage de qualité. Je pense que c'est vraiment un partenariat ensemble où on a réussi à convaincre nos clients d'abord passer Cress en sac et puis rester Cress en sac. Oui, forcément, toujours. Il y a de nouveaux styles de consommation, on va dire, et on parle de plus en plus d'entreprises 4.0. La connectivité est importante. Aujourd'hui, Cress en sac a des solutions avec les icons, avec les e-control plus. Toujours est-il, je pense qu'on a encore un petit train de retard et il faudrait qu'on mette un peu l'accent là-dessus. Oui, on sait y répondre, forcément. Ah, j'ai bien aimé au niveau du petit stand en fait, où justement on peut mettre la main dans les machines, on peut toucher les compresseurs de free, on peut mettre la main dans les boîtiers e-control plus. Je pense que pour les gens qui sont pas habitués à ce type de produit là, c'est plutôt intéressant. Et puis de faire ça tous ensemble dans tout atelier, tous mélangés, c'est vraiment, je trouve, quelque chose de bien.